Claudeur, et mettre pour la 21e partie du Let's Play Pokémon Watch. Dans la partie précédente, j'ai traversé une partie de la route 5 et affronté tous les dresseurs qui s'y trouvent, enfin quasi tous, puisque j'ai eu affaire à un petit bug embarrassant. Mais apparemment, dont l'auteur était au courant et il a mis un patch sur un topic de forum. Donc pour l'instant, ça ne s'est pas produit, mais c'est vrai que c'est très bizarre parce que je pensais que c'était l'évolution par bonheur de Bibadom. Mais finalement, tout le monde a atteint le niveau 30, mais ça n'est pas arrivé. Et puis, entre-temps, je viens de me rappeler d'un petit quelque chose à propos de la forêt enneigée. Puisque je me rappelle d'un PJ qui disait qu'un chemin qui se débloquerait dès lors qu'on aurait le troisième badge. Enfin, ça, c'est le cas depuis quelques temps, le troisième badge. Donc je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans, puis après je pense que j'en resterai là. J'ai pas trop de choses à faire. Non, j'ai même pas de repousse. Ben, les 6 sont au niveau 30. Bibadom a toujours le multi-expérience, mais je pense que je vais le mettre de côté pour l'instant. Sinon ils ont tous de bons points de vie, Bibadom est à 133, Bébé il n'est pas loin de 100. Par contre, il faut me rappeler où il faut aller. Tempête sable. Sauvons-nous, la tempête sable va nous faire du mal. Bon, pas de challenge pour cette partie parce que je n'ai pas d'idée en fait. C'est vrai qu'on aurait bien voulu la CS vol. Enfin, la CS vol n'aurait pas servi à grand chose, que je crois que j'ai pas de type vol là. Enfin, Raven il est planté vol. Mais bon, c'est quand même bizarre qu'il ne puisse pas prendre Aéropic. Y'a que Brûlou le peut. Il pleut, il neige. Il y a de la tempête de sable, il pleut, il neige. Quelle météo. Et plutôt météo horrible. Mais t'es horrible. Bon, ça se voit que c'est tout plus faible, hein. Bon, au niveau des attaques, Brûlou a pris Mania, c'est terrible. J'ai fait apprendre à Bibadom au retour, c'est encore plus terrible. Même contre des types acier, il se débrouille pas mal, hein. Je crois qu'il a même réussi à enlever 3 quarts de vie fois un acier. Renforcé. Anna qui dit, je m'appelle pas Anna. Bon, il y a la grève, je vais me prendre des coups. Ok.
Ok, je crois que c'était de la pub mensongère. Là, je ne capte pas. Hein. Même des lipoutis carrément. Bon, les niveaux sont très bons, c'est très peu intéressant. Enfin, hein. Un Pokémon niveau 3 ne fera pas long feu face avec des niveaux 30. Hein. Je gagne tellement de peu de points via le jeu, je ne bouge plus. On peut toujours pas continuer à droite, c'est vrai que c'est bizarre. Bon, j'ai deux pépites à vendre. Bon, ça fait 10 000 gratuits. Une réserve, on ne sait jamais. Je pense que ce serait la meilleure solution plutôt que de se faire harceler.
Bah, je n'ai qu'une idée, il va y avoir un bug, je ne sais pas. Bon, je pense que j'ai fait ces trucs là pour rien. Allez hop, on va aller plus vite. Reset. Bon, j'ai vu que je pouvais continuer par ici, j'espère ne pas rencontrer de Meloetta ou équivalent. C'est vrai que c'est mystérieux qu'est devant, c'est pas Brulou. C'est vrai qu'Yoko, il est mignon, j'aimerais bien voir plus. Un haut-parleur. Ok. C'était 48 échos. Moonbo. Raté. Infinity Big Bang Store. Infinity Big Bang Store. T'es Igos dans la rallonge. C'était 49 Ico. Ah non, c'est. Bah, c'est l'air pareil. Insecte. Qu'est-ce qu'on peut faire face à un insecte? Un harcèlement. Sans un peu. Tant que berceuse. Il est fourbe, lui. Il est fourbe. On va aller plus vite. Hein. Pas que ça va faire. Tuning. C'est une voiture, en fait. Il y a du tuning dans l'air. Je suis une voiture. C'était bien ce que je pensais, on retournait par ici. Bon, là-bas, je voulais explorer ça, on va y retourner. Bon, il y a surtout des spectres. Et le seul des six qui peut gérer les spectres, c'est Brulou avec
morsure. Cerveau. Zombie. House of the Dead, le retour. Bon, on l'avait déjà affronté dans la partie précédente sans le bug, avec un portail juste après. On l'a peut-être brûlé. Il venait à grande vitesse. C'est un vortex. Ah, il est devenu bon vu. Bon, Bibendum va lui présenter ce qu'il sait faire. Retour qui fait 80% de dégâts d'un coup d'un seul, sans forcer. Bon, il n'y aura plus de métronome, hein. Des corbeaux sauvages dans ce manoir. Un éther. L'heure ou pas l'heure, cette tombe jaune. Et encore un sauvage croqué unique. J'en ai marre, on va tomber toujours sur ça. Il tombe. Là, on peut dire qu'il est tombé. Allez, fais-lui ce pas souffler de paillettes d'amour dont on a le secret. Souffler de paillettes d'amour. Va mauvais. Et ben voilà. Voilà un unique que je ne rate pas. Et intéressant quand même. Spectre ténèbres. Par contre, comment je vais t'appeler, toi? Je n'en ai aucune idée, moi. Comment j'ai t'appelé? Un bras net. Par le pouvoir de la méga évolution, encore une fois. Châtiment. Ah.
Faussement intimidant, hein. Une banettite. Je suis une Beyblade. Je suis une Beyblade qui tourne en rond. Un ninjasque pour une médium. Vitesse extrême. Je m'attendais à ça. Voyons voir Raven, on va lui donner la béquille. S'il est libre, on type, hein. J'allais faire le geste de la méga évolution. Mais bon, ça ne marche pas. C'est parce qu'il m'a fait, mais il m'a raté. Ombre portée. La jauge, c'est déplétie d'un secours. Pouf! 31 brebis badon. Pouf! Quel beau gosse! Le complexe. De 130 à des points de vie, on a maintenant 152. Bon, zut alors. Bon zut, il a 82 d'attaque. Et un peu meilleure vitesse, il était à 13 et à 34. C'est encore plus lent du groupe et c'est bébé qui entraîne. Bibadum est invincible. Oh, un encens purificateur. Bon, je pense qu'on... C'est vrai que les sauvages sont tenaces. Hein. C'est pas qu'ils sont dangereux, c'est qu'ils sont tenaces. Et ils mourront à l'usure, c'est sûr. Là, j'ai pas vu le talent, je crois que c'est vaccin. Oui, il a vaccin, il peut pas être empoisonné. Ça peut être marrant. En quoi c'est marrant, un vaccin? Bon, ça ne change rien, en un coup, on n'en parle plus. Il y a de la censure. Steamer. Par contre, ce qui est gênant, c'est qu'il n'y a aucun point de soin proximité. Enfin, je ne sais pas s'il y en a un par ici. S'il y a une ville par ici, je ne veux pas me faire avoir. Romero City. Et un casino, il y a même des haies, si on veut. Ça va, il n'y a pas de vieillard serpillère, tant mieux. La musique, elle est inquiétante. Elle est inquiétante et c'est très bizarre. Bon, concrètement, rien à signaler. Enfin, il n'y a rien plus que j'ai rien fait. J'ai quasi rien fait, puisqu'on peut enlever déjà un tiers de la vidéo pour quelque chose qui n'aboutit pas et que j'ai fait comme un con, en fait. Et Bibadum a enfin évolué. Ben, il était temps. Il a un chouïa plus rapide qu'avant, donc plus intéressant techniquement. Il a un retour qui va faire des dégâts pas possibles. Là, Bibadum sera le MVP, je le sens bien.
Je dirais à bientôt pour tes prochaines aventures.